Qu'est-ce qui t'amène dans le pays? Un petit séjour comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir? Je vais pas tergiverser, je suis là parce que... on recherche le père de Lolo. Écoute bien, j'ai fait des calculs. Lolo est né le 5 août 1999. Oui. Il y a 5 clients potentiels dans ton affaire. Tu me reconnais? Ah ouais. C'est qui, chérie? Voilà, vous êtes sortis ensemble. T'es une petite amourette d'écolier, c'est ça? Vous étiez que physique. C'est qui cette nourriture? Alors chérie, présente-toi calmement. Ok. En fait, y en a pas un qui est normal hein, dans la liste. Qu'est-ce que ça veut dire, normal? Rien du tout. Je te le dis toujours. Je ne reviens pas que tu sois la fille de Silo. Je trouve qu'elle lui ressemble. Ouais, beaucoup. Dire qu'à son âge, j'étais presque en cloque. Il n'arrive pas à pardonner le scandale. Le scandale. Tu trouves qu'elle a une tête de scandale? La seule chose positive que j'ai retirée de tout ça, c'est que ça m'a permis de me tirer d'ici. Tu te souviens comme j'étais amoureuse de toi à l'époque? Je le trouve un petit peu dur avec elle. Ça fait 15 ans. Mais elle n'a pas changé, ça se voit tout de suite. Tu t'habites toujours chez tes parents, ça m'étonne pas non plus. Est-ce que ça peut te foutre? C'est dommage que tu finisses vieux garçon comme ça. Tu vas enfin connaître le père de ta fille. C'est comme si j'attendais le résultat du loto et qu'en même temps le gros lot, c'était un paquet d'emmerdes. Le bonheur de ta fille, quand même.